Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire un petit débrief avec vous pour voir un peu comment c'était le concert de Didi B au Parc des Expositions d'Abidjan. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir participé au concours que j'avais mis en place depuis 2 semaines de cela. Et du coup, les gagnants ont pu profiter pour aller au concert de Didi B. C'était samedi dernier. J'ai des vidéos que je vais poster un peu sur cette vidéo à la fin ou au début. Je vais voir où je vais les mettre et on va voir un peu comment c'était du coup avec ceux qui ont gagné. Et du coup, n'hésitez pas à aller checker la page Instagram pour avoir les dernières infos, s'il y a des concours, s'il y a des trucs, etc. Et voilà, donc en tout cas, ça avait l'air d'être chaud de ce que je vois. Il y avait pas mal d'invités, il y avait pas mal de monde. C'était sold out, ça veut dire que c'était complet. C'était un gros concert de Rapivoire en tout cas. Hein. Même je dis de Rapivoire, mais c'est vrai que Didi B dépasse les frontières, ce gars-là. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à dépasser les frontières et à arriver à récupérer des auditeurs, des gens qui vont écouter, qui vont apprécier sa musique même à l'extérieur du continent. Et c'est ça qui est fort chez lui, c'est qu'il arrive à dépasser vraiment les frontières et il le fait. Quand tu vois certains feats qu'il fait, les signatures à droite, à gauche, pour que ça soit positif ou négatif, le but à la fin, c'est que il avance, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Je vais pas tout faire parce que ça va être trop long. Je vais regarder des petits bouts pour voir un peu comment il était, comment l'ambiance était, le public, tout ça. Déjà l'entrée là. Il avait un délire. Il avait un délire en mode. Non, pas de ninja, mais de comment ça s'appelle là? Je sais pas comment ça s'appelle là, mais ce délire un peu japonais. Ou je sais pas si c'est de Chine ou pas. Ce qui est énorme, c'est qu'en plus, il a un groupe qui joue en live. Ça veut dire que c'est pas juste un DJ qui va balancer le son, qui a balancé une intro, tu vois, c'est vraiment un concert live, tu vois, et ça, c'est pas ce qui manque, mais c'est bien de le faire, tu vois, pour donner une autre vision du concert, pas juste envoyer la prod et kicker, même si ça le fait aussi bien, mais le côté live aussi, ça envoie du très très lourd aussi, et c'est là que tu te rends compte des instruments, de la qualité aussi des musiciens aussi. Quand ils sont très très forts, ils arrivent à surpasser la prod des fois même, faire des solos, faire des trucs comme ça. Tu peux vraiment faire pas mal de choses quand tu es en live. Regardez comment il était chaud au début. Bon, c'est déjà passé. Sort le katana. Les gens sont réactifs, hein? Parce que tu vois le drone là, qui est là, ici, là, en vert là. Il doit y avoir des images qui vont arriver, poteau. Le visuel de l'écran derrière. J'ai vu des images, des vidéos là. C'était ouf, hein? Ah, trop fier. Écoute-moi ça un peu là. Du coup, je voulais savoir si vous êtes parti au concert. Qu'est-ce que vous avez pensé du concert? Quels sont vos retours du concert? Si vous avez vu des vidéos ou autres, qu'est-ce que vous avez pensé? Quels sont les retours en fait par rapport à ce concert? Est-ce que c'était vraiment le concert de l'année? Est-ce que c'était vraiment un concert de game changer, on va dire? Dans le Rapivoire, est-ce que ça a vraiment été peut-être une des premières fois qu'il y a un concert de cette envergure de Rapivoire? Je connais pas trop les concerts,
qui c'est qui est chaud, qui c'est qui a fait tel truc. Tu sais que forcément, en termes de popularité, tu pourras faire des plus grosses salles, évidemment, et t'exporter aussi. Mais voilà, en tout cas, voilà, je voulais avoir votre avis pour ceux qui y sont y allés, ou bien est-ce que, si vous avez vu des vidéos, tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à d'autres concerts peut-être que vous avez fait. En tout cas, il a investi, Poto. Il a investi sur tout, sur beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de concours hein, qu'ils ont tourné de sa boîte de Coast to Coast, d'autres à droite, à gauche, la conspiration et tout. Il y a eu pas mal de trucs, il y a eu pas mal d'événements qui ont été faits. J'ai vu qu'il y avait un bus aussi de... Oh là là, ça devait être lourd. Ce cas-là, il y a des classiques. Il enchaîne sur... Ah non, là, c'est le gars qui a coupé parce que il peut pas mettre tout, c'est ça. Non, franchement, il est chaud. Les visuels sont tellement ouf, Poto. C'est gigantesque. C'est qualitatif. C'est hyper grand en plus. C'est géant. Ça devait être ouf. Franchement, visuellement, ça devait être quelque chose. Hein. Je sais pas s'il y a eu genre des trucs, genre. Des trucs. Genre de la fumée ou du feu, tu vois. Souvent, il y a des trucs comme ça dans des gros concerts. Mais je sais pas s'il y a ça au parc des expositions. Mais en tout cas, oh, elle a fait assez. Assez normal. Ah non, ce gars-là, il envoie du lourd. Hein, et t'as là. Il a vraiment tout niqué avec ce son. Hein. T'as là. Périmètre. Vas-y, écoute-moi ça. Dani Santé à la prod. Comme mon vrai rat de pute. Franchement, ça devait être vraiment lourd. Ce gars-là, quand tu vois tous les titres qu'il envoie, quand même. Hein. La plupart, je connais. Après, les mixtapes un peu plus anciennes. Ou quand il était avec les mixtapes de Kif Nobi, tout ça. J'en connais quelques-uns, mais pas tout. Il n'y a pas argent. Et sur Mojo 30, c'était sa mixtape qui est sorti v'là le temps. Et Kif Nobi. Oh là là. T'inquiète que ça a dû faire plaisir de voir tous ces gars-là ensemble en train de kicker comme ça, en train de se régaler. Quand t'entends des trucs à droite, oui, il a dit ça, non, il a pas dit ça, non, il a menti, non, c'est... Voilà, c'est tout. Ah, le résultat, c'est sur la scène. Syndicat. Ah là là, il a fait le feat avec With Guns, nommé. Ah, la With Guns, il était tellement chaud dessus. Non. Flemme. Bon, après je vais pas tout faire. Cocolia, ça devait être quelque chose. Tu me dis, il aurait ramené Booba dessus quand même. Mais faut avouer, son titre, c'est une pure beauté. Une pure beauté. D'un côté, c'est pas plus mal que Booba l'a quand même mis en avant. Malgré que, limite, ça se trouve, c'était. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave, mais vas-y, je veux faire un truc. De toute façon, à un moment donné, ça va savoir et ça va. Finalement, ça fait une promo pour ce titre, hein, en vrai. Media. Il y a du temps pour le chacal. Si vous voyez, chéri Coco.
C'est quoi ce titre? Je vais voir celui-là. Un des gros titres aussi. Hein. Gire la mélo et ta sœur. Bon, je vais pas tout dire, sinon ça va faire 30 minutes la vidéo. Au calamar, la conspiration marche toujours. Thank you.
voilà, ça avait. Quand tu vois ça, tu te dis quand même ce gars-là a des classiques et que c'est pas un petit dans ce game-là. Et plutôt, il envoie. Et franchement, un concert, ça doit être quelque chose quand même parce que avoir autant de level, tu vois, pour même moi, j'arrive à être touché par ces titres et tout. C'est qualitatif, il y a des belles prods, ça kick bien, il y a du flow, c'est intéressant, c'est à la hauteur de ce qui peut se faire en Europe ou aux États-Unis même. Mais voilà, après, voilà, chacun a son public, mais c'est à la hauteur, il y a de la qualité, il y a des bonnes prods, il y a des bons choix de prods. C'est pas pour rien aussi que Booba a cherché de le signer, il avait déjà un nom et tout et tout. Donc, il faut respecter ce gars-là parce que il fait beaucoup pour, comme il l'avait dit dans une vidéo aussi, il fait beaucoup pour ce mouvement. Et voilà, il faut pas boycotter, il faut donner de la force et aller être au niveau des gars du Nigeria, tout ça là, qui font beaucoup de bruit, beaucoup de vues, beaucoup de stats et qui sont très très performants ailleurs, dans d'autres continents, qui sont très appréciés aux États-Unis et tout et tout. Qui tape des Grammy à droite, à gauche et tout et tout. Donc, faut donner la force à ce rapivoire. Franchement, il y a de quoi faire ça. Si jamais il y avait beaucoup de gars comme Didi qui arrivent à essayer de taper des connexions à droite, à gauche, aller prendre des risques, aller pas rester dans sa zone de confort, aller chercher d'autres genres, d'autres types de sons, aller chercher des gars qui envoient du lourd, et bah ce serait bien. Il y en a qui commencent à le faire, il y en a qui le font déjà. Ce serait bien qu'il y en a d'autres qui commencent aussi à se mettre dedans pour avoir plus de diversité et d'avoir plus d'artistes à se mettre sous la dent, tout simplement. Bon, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et j'attends vos retours concernant ce concert. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Est-ce que c'est un concert game changer dans le rap ivoire? Est-ce que c'est un des plus gros concerts qui s'est jamais passé dans le rap ivoire? Ou bien il aurait pu mettre un peu plus haut? Ou bien, je sais pas, il fait combien? Ça, je crois que c'est 5 000 ou 10 000, je crois. Parc des Expositions, Abidjan. Combien de places? Je crois 5 000 ou 10 000, c'est ça. Ah, c'est 10 000 total, 5 000 places assises. Donc ça veut dire les tribunes là-haut, là. Et c'est joli quand même à faire, hein. Franchement, c'est un beau parcours, hein, pour l'instant. C'est très très fort ce qu'il fait et il n'a pas fini, poto. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.